Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme chaque jour, une nouvelle vidéo sur GIMP. Aujourd'hui, je vous propose de créer cette petite présentation. Donc, vers la fin, j'ai un peu improvisé. Je me suis dit, tiens, on pourrait rajouter quelqu'un en train d'observer. Je suis tombé donc sur la photo qu'il faut. Donc, à la fin, ça peut être un peu brouillon. Donc voilà, je suis parti. Je suis allé récupérer quatre photos. Voilà, ces quatre photos. Et puis après, j'ai décidé parmi ces quatre photos les deux que je souhaitais mettre au milieu. Donc ça a été du coup les calques 2 et 3. Voilà. Mais j'aurais pu très bien mettre 1 et 2 ou 3 et 4 devant nous. Donc voilà. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc aujourd'hui, ce sera l'utilisation d'un filtre. Je vais le détourner de son usage habituel pour obtenir ce résultat. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans la version GIMP 2.10.24. Donc là, je vais aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et je vais faire un clic droit de la souris ici. En allant dans le menu contextuel, je vais faire copier l'image. Et à chaque fois, je vais aller dans Édition, Coller comme, Nouvelle image. Donc là, pour le premier, si vous l'avez enregistré sur votre disque dur, vous allez le chercher ici. Donc ouvrez en tant que calque après. Donc on va voir. Donc là, on fait un clic de la souris, copier l'image. On n'oublie pas de mettre J'aime. Je vous mets le lien dans la description. Et là, je vais faire Coller comme, cette fois-ci, Nouveau calque. Et on va chercher comme ça le suivant. Clic droit, on met J'aime. Et après, coller comme, nouveau calque. Et le dernier, bouton j'aime. Je vous mets le lien dans la description. Clic droit de la souris, copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, du coup, on a trois calques. Ensuite, je vais faire filtre, combiné, film. On l'a vu déjà trois fois, ce genre de manip. On clique dessus. On a la possibilité de modifier la hauteur de la pellicule. Allez, on va le mettre à 400. C'est pas nécessaire. Et après le reste, c'est pour la numérotation, l'index de départ. Et puis si vous souhaitez modifier un peu plus précisément, avancer donc sur l'onglet, la hauteur des trous, la largeur des trous, le décalage des trous, bon, bref. Alors, on va faire valider. Donc, on va obtenir cette petite présentation. Une fois que c'est fait, on va faire un clic droit de la souris. On va ajouter un canal alpha. On va aller dans Images, Taille de canevas. Donc là, on met en pourcentage et on va s'assurer que la chaîne est déliée et on va mettre 200-250%. Je centre. Redimensionner les calques. Tous les calques remplis de transparence, redimensionner. Ensuite, je vais dans Filtre, Carte, Projection panoramique. On va détourner ce calque de son utilisation première. Donc, on l'a vu dans une autre vidéo, juste pour avoir ce type de présentation. Donc, en dézoomant, on obtient ça. Donc, alors, si on va. Il faudra bien choisir. Alors là, par contre, c'est pas trop celui-là que je voulais. Je voulais plus celui-là qui me paraît plus sympa. Donc vous choisissez les photos qui vous paraissent les plus intéressantes. Alors je vais zoomer, dézoomer. Enfin, bon, on va choisir quelque chose de. Alors, avec cette méthode, on peut choisir uniquement deux photos propres. On va dire propre, enfin net. Si on recule, si on réduit le niveau de zoom, on a quelque chose qui s'accentue. Donc à vous de voir au niveau artistique ce qui vous plaît. On va rester sur ce zoom. Et on va décaler panoramique. Alors inclinaison et rotation, je le fais. Donc là les deux sont à zéro. Et on peut pencher un peu plus en haut, en bas, ou la rotation, le tourner. Donc là, je remets à 0.
à peu près ici. Alors, on va essayer d'équilibrer les numéros 2 et 3. Voilà, on va valider. Donc j'espère que je suis pas allé trop vite. Après, on va créer un fond. Oups. Bon, c'était rempli de transparence. Alors, je refais, créer un calque, fond rempli de transparence, valider. Je fais descendre fond en dessous de arrière-plan. Et là, avec les couleurs par défaut, je vais prendre la couleur blanche. Et on peut s'amuser à. Alors, on pourrait mettre un personnage ici qui est en train de regarder aussi. Alors, j'ai pas de. J'ai malheureusement pas d'image. Ah, bah tiens. Voilà, complètement improvisé. On va prendre cette personne. On n'oublie pas de mettre un clic, enfin un clic pour j'aime, un clic doigt de la souris ou alors attendez, je vais prendre 920 par 1280. Ouvrir, un clic doigt de la souris, copier et on va la mettre. Donc ça, c'était pas prévu. Édition, coller comme, nouveau calque. On va la détourer. Alors bon, on va prendre celui-là. Vite fait. J'essaie de faire vite. Je préférais faire ça parce que ce sera au moins moins hasardeux et au moins je serai sûr de ce qui est pris. Alors, attention, CTRL Z, je reprends. Un petit peu à l'intérieur vers le personnage. Jusqu'à la limite. Alors, je vais essayer d'être moins brouillon. On va décaler. Un peu à l'intérieur. Je crois qu'on va sûrement diminuer la taille, donc ça n'aura pas d'importance pour les détails. Donc on y est presque. J'essaie d'aller au plus vite et arriver au premier. Alors, un dernier, arrive au premier, j'appuie sur CTRL, je referme le chemin, j'appuie sur Entrée, je fais un clic doigt de la souris sur le calque, ajouter un masque de calque, sélection, initialiser le masque de calque à sélection, on a une sélection, ajouter. Alors, plusieurs choses, on va le renommer. Observatrice. Et du coup, sélection aucune. Je clique sur un autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On clique sur le calque normal. On va prendre l'outil de déplacement et on va s'assurer qu'on déplace bien le calque dans les options de l'outil. Là, je le place. Au final, je pensais que j'allais devoir redimensionner, mais je pense que cette taille est bonne. Alors, je vais faire. Comment on appelle ça? Je vais aller sur arrière-plan, je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler fond. Non, pas fond. Tant pour moi. Ombre. Ombre. On va remplir de transparence. On valide. On va se rapprocher. Je vais prendre l'outil pinceau. Couleur. On va essayer de faire un petit gris foncé, mais pas trop. Donc là, j'ai pris une brosse. On va prendre de 75. On va se rapprocher. Alors, du coup, effectivement, ici, c'est un peu gênant.
Parce que en cliquant sur le masque de calque, si je garde l'ombre d'origine, ça va être compliqué de faire matcher. J'espère que ça ira. Donc là, on va revenir sur le pinceau, sur le calque ombre, avec une brosse de 75, et je vais essayer de faire un truc assez soft. Je vais passer le, il s'appelle le filtre gaussien, filtre flou gaussien, valider, et au pire on fait couleur, luminosité. Et on abaisse la luminosité pour faire matcher au mieux. Valider. Compte, c'est un peu trop net. Clic droit de la souris, masque vers sélection. On va faire sélection, réduire. De 1. On va faire inverser et on va jouer ici avec ici le masque de calque. Je le vois un peu. Valider. Je pense que ça passe mieux. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie et je vais faire couleur, courbe. Alors, on n'est pas sur le bon. C'est là. On va refaire ce qu'on a fait. Couleur, courbe. Juste assombrir un petit peu. On va mettre valider et bon, c'est pas grave, je vais le déplacer en dessous et à la limite on va créer un groupe de calques qu'on va nommer archive et on va mettre tout ça dedans. Voilà, j'ai un peu improvisé, mais l'idée c'était de faire quelque chose de particulier. On va mettre une petite signature. Donc on crée un nouveau calque, transparence, valider. Ah non, c'est pas lui. Voilà, on va mettre comme ça. Et on va s'arrêter là. Je n'oublie pas d'enregistrer. Enregistrer sous GIMP, octobre. Pelliculevie.xcf. Enregistrer. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet sur GIMP.